Coco. Oui, mon fils. Oh. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Ça va? Oui, ça va, mais on veut. Merci, mon fils. C'est toi, papa. Oh, c'est vrai, hein? Ah, c'est comment? Ah, c'est en sorte que ma fille te garde bien. De toute façon, tu prends le poids tous les jours, là. Non, maman. Ah. Si je viens même te voir, là, c'est parce que ça ne va pas, maman. Oui, mon fils. Maman, depuis que j'ai pris ta fille, on est là, c'est compliqué. J'étais le plus gros dans ma famille. Mais oui. Regarde comment j'ai maigri. Au quartier, on m'appelle maintenant Skinny Boy. Là, tu as maigri. Ah, Seigneur. Vous voyez comment les gens me cherchent vraiment. Mon fils, donc là, tu as maigri. J'ai maigri, maman. Donc, au quartier, on t'appelle Skinny Boy. Ça ne te plaît pas. Non, non, non. Elle ne me nourrit plus. Je ne sais pas. Abo l'a donné l'argent à la fin du mois. Abo, pour faire le marché. Tu donnes souvent à ma fille combien pour le marché? C'est ça la question. Tu donnes souvent combien? Toi, de toute façon, tu es comme ça, là, mon fils. Ça, c'est le genre de beau-fils. Si tu n'as rien mangé, c'est 3 kilos. Toi, tu es la qualité de beau-fils. Quand la femme prépare, tu comptes les morceaux dans la mamite pour que nous, les parents, quand on arrive, je voulais même arriver là, voilà. C'est ça, ça tombe bien que tu sois arrivé. C'est même ce que je cherchais depuis là. Mon fils, ma fille t'avait déjà dit, une fois que non, arrête l'histoire de compter des morceaux de nourriture. Moi, j'arrive chez ma propre fille. La nourriture, je demande la nourriture à ma fille. Il y a des gens que, oh maman, ça là, il a dit que non, c'est pour le soir, ça c'est pour le matin, ça c'est pour midi. La janvieuse, maman, c'est compliqué. La janvieuse, vous gérez la nourriture, mais tu dis que tu maigris. Donc toi-même, tu ne donnes pas d'abord beaucoup l'argent à ta femme pour te nourrir. Mais c'était plein de ta grosseur. Là où tu es même là, ah Seigneur Jésus, ça c'est la qualité qui ronfle. Mais il va venir dire que il ne mange pas bien. Donc, la façon que la chaise là ne t'arrive plus, là, ça là, tu ne t'inquiètes pas. C'est la partie de tu ne manges pas bien que toi, tu parles. Ah, Seigneur, tout ça, c'est on est là. J'ai dit, on est là que cherche les hommes bien. Cherche les hommes qui peuvent donner l'argent. On va quitter de la souffrance. C'est le cas là. Le cas qui compte les morceaux de nourriture. C'est le cas là, vraiment. Donc, mon fils, tu es venu là te plaindre. Oui. Non, dis-moi juste ce que tu es venu faire. Non, juste venu me plaindre parce que ça ne va pas. J'ai commencé à maigrir et vraiment, c'est pas bon. Là, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. 3 jours, la joue est toujours tendue comme ça. 3 jours. Oh, Seigneur. Seigneur, j'ai dit à l'enfant, là, sors de là. Même Bernard peut faire. Toi, attends, j'ai appris que tu as un titre à l'église. Tu fais même le jeûne. Je suis homme de Dieu. Tu es homme de Dieu, non? Oui. Tu fais le jeûne. Ça dépend. Parce que homme de Dieu dans la joue est trop tendu. Ça, c'est à savoir. Si même dans les commandements du Seigneur, il respecte. Tu viens te plaindre histoire de la nourriture. Homme de Dieu, mais c'est toi qui es mauvais dans la nourriture. Et c'est toi qui viens encore te... Oh, Jésus, vous voilà les gens me tentent. Prenez-moi. Oh, Seigneur. Regarde, papa, pardon. Hein. Je ne veux pas crier le matin, là, où vraiment, ma faux, comme là où tu me vois, là. J'ai mes vrais problèmes. Je suis en train de chercher, là, mon argent de la tontine. Si tu es venu te plaindre pour la nourriture, vraiment, c'est pas chez moi. Vraiment, c'est pas chez moi, parce que si je te réponds seulement, là, je pense que tu vas vraiment maigrir, là. Si je te réponds, là. Parce que j'essaye de te répondre, mais ça ne sort pas. J'essaye de rester dans le cadre de belle-mère. Mais la tête, ça ne va pas vraiment. Mon fils, je suis désolé. Excuse-moi, maman. Non, tu vas devoir partir. Excuse-moi. Tu vas devoir partir, je n'aime pas les choses. C'est ma mère. Laisse-moi ça, je suis ta mère. Tu es venu là, tu m'as apporté quoi? On dit beau-fils à la bouche pour venir se plaindre. Tu m'as donné quoi? Il n'y a pas un reste d'hier. Là, on est d'hier.